Bon, et ben voilà, me voici de retour chez papa-maman. L'objectif d'être ici, enfin il est multiple, mais le premier c'est quand même de bosser sur ce gros père qui est derrière moi et qui a besoin de pas mal de choses de fait. Et ce qu'on va faire tout de suite maintenant, c'est que je vais vous faire un tour rapide du van et des choses que j'aimerais y faire. En gros, je vais vous montrer tous les défauts qu'il y a dedans. Allez, c'est parti, viens dès. Alors, rentrons dans ma caverne. Alors, messieurs, où est-ce que je vais vous poser? Ok. Non, pas là. Ok, bienvenue. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai enlevé quelques affaires. Ça, c'est vide. Ça, c'est vide. Ça, c'est vide. Bref, j'ai un peu triché, j'ai un peu avancé. Mais ça ne change rien. Alors, ok, une des premières choses qu'il faut que je fasse, qui est super importante, c'est cette... C'est ma vaisselle déjà, mais au-delà de ma vaisselle, c'est la pompe à eau qui est à moitié encrassée, à moitié bloquée. Ça fait du coup presque 2 ans que j'ai installé cette pompe à eau. Voilà, je pense qu'elle a pris des particules, qu'il va falloir la désencrasser. Donc ça, c'est une des premières choses que je vais faire sur le camion. Ça va me prendre, je pense, très peu de temps. Voilà, donc revoir cette pompe. J'aimerais énormément prendre la cuve d'eau grise qui se trouve juste là, juste sous les grilles. En gros, il y a l'évier, la cuve d'eau grise et la cuve d'eau blanche. J'aimerais beaucoup prendre cette cuve d'eau grise et la mettre sous le camion à la place de la roue de secours et mettre la roue de secours sur la porte arrière. Donc pour ça, il faudrait que je fasse une structure spéciale pour la roue de secours. J'ai une idée pour ça, je pense que je vais le faire si j'ai le temps. Voilà, ça c'est important à dire. Ça là, c'est une rallonge que j'ai faite pour le lit. Je vais vous en parler aussi dans une vidéo. Et cette rallonge, je sais pas si vous voyez en haut, c'est la rallonge que David avait coupée à la scie quand il a eu le van pendant tout l'été. Donc bon, concrètement, c'est pas ouf, il faut que je change ça. Ça, là que vous voyez ici, c'est extrêmement, extrêmement moche. J'ai envie de les changer parce qu'en plus, il y a des traces, enfin voilà, bref. Il faut que je change, j'aimerais bien changer ces housses de siège, en faire des jolies. J'ai une petite idée pour le rideau, il va rester tel quel ou presque, mais j'ai une petite idée pour le rendre encore plus beau. Ah! Je trouve, alors vous me donnerez votre avis, que le van en tout en blanc, c'est pas ouf. Donc j'ai une idée, enfin je sais pas que j'ai une idée, j'ai plein d'idées pour l'extérieur du van, mais j'aimerais bien voir vos idées. De quelle couleur je pourrais peindre le van pour que ça rende bien? Ouais, le peindre, ouais j'ai bien dit ça, le peindre. Je dois finaliser mes toilettes que j'ai commencé en octobre, je crois. Ça change la vie, franchement c'est les toilettes sèches, je vous en parle très très vite. Et ça, vraiment le truc le plus important, les putains de finitions, il y en a partout là, je vois tout partout là, c'est dégueulasse, il y a 1000 trucs à faire. Alors heureusement que mon papa, c'est meilleur papa, tu gères, m'a fait le cadre là, il y a 6 mois, 1 an peut-être, parce que franchement ça change tout, mais il y a des finitions de partout Valentin quoi, merde, c'est pas compliqué. Voyons ensemble mes différents objectifs pour le confinement. En rouge, le camion. En bleu, le sport, et en vert, le boulot. Pour le sport, le plus simple, mes objectifs sont variés, mais incluent grosso modo de la course à pied, du renforcement musculaire, un peu de yoga, améliorer mon handstand, bref, plusieurs objectifs avec un objectif final de perdre 5 kilos. Pour le camion, j'ai déjà listé tout ce que je veux faire un peu plus tôt dans la vidéo, donc je ne vais pas y revenir, mais l'objectif est de rendre Polo bien plus beau. Et enfin, au niveau de mon boulot, je dois finir mes études, j'ai envie de me former dans beaucoup de logiciels, et puis bien d'autres choses, avec pour objectif de préparer l'après-confinement, si après-confinement il y a. Un programme donc assez chargé, mais que je pense pouvoir réussir, et qui en fait me contenterait sur tous les aspects de ma vie. Mais, parce qu'il y a un mais, le problème vient du temps que j'y consacre. Si l'on prend tranquillement la timeline du temps, prenons par exemple la timeline du temps des 2 premières semaines de novembre. Je dédie environ 20% de mon temps au sport, 40% de mon temps au boulot et malheureusement un seul pourcent au camion puisque le reste est occupé pour mes plaisirs personnels. L'objectif est d'être à un équilibre
parfait. Et donc réaliser tous les objectifs cités précédemment. Voilà, assez rapidement, toutes les choses que j'aimerais bien faire pendant ce confinement, j'ai envie de mettre à profit le temps qui nous est offert. C'est très rare qu'on ait le temps de se poser comme ça, de prendre le temps de faire les choses. Donc je vais essayer de faire un maximum de choses. Le programme est ambitieux, mais pour être tout à fait honnête, j'en ai déjà réalisé quelques-unes. Et il est temps de ranger, de vider ce petit camion, ce birdie. C'est ma machine. Voilà les amis, la première étape de ce que je voulais faire est accomplie. C'est-à-dire que j'ai vidé entièrement. Non, c'est pas vrai, mais j'ai en tout cas enlevé toutes les choses que je voulais enlever du camion, histoire d'être déjà de une bien installé ici, et puis de deux de pouvoir manœuvrer un peu mieux dans le camion. J'ai laissé ce que j'estimais essentiel dans le camion pour la suite de l'aventure, mais j'espère pouvoir réduire encore plus ça. Bon, bien évidemment, il y a beaucoup de vide parce qu'il y a plein de choses essentielles qui sont à l'intérieur de la maison maintenant. Voilà, je vais m'attaquer tout de suite à la pompe, mais ce sera pas dans cette vidéo, ce sera dans la prochaine. Par contre, elle n'est pas dimanche prochain. Allez, bisous.